17 avril 2010, Dorothée fait son grand retour sur scène à l'Olympia. Moi, j'ai 30 ans et Dorothée, c'est toute ma vie. On reste toujours enfant avec Dorothée, je crois. Et moi, je reste toujours enfant, même à 37 ans. J'ai suivi depuis le club Dorothée. J'avais à peine un an, ma mère venait de me changer ma couche. Voilà, je dansais sur ses chansons. Aujourd'hui, c'est un grand rêve qui se réalise, donc je suis super heureux. J'ai fait Bercy 93, 94, 95, c'était Hélène, et j'ai fait le Zénith 96. Et j'ai tous ces albums, ces trucs, je suis à fond avec. Et on a tous 7 ans et demi. Merci Dorothée. C'est bien d'attendre d'avoir 25 ans maintenant pour la voir, parce que je pensais que je ne la verrais jamais. Et donc c'est vraiment un grand plaisir de la voir ce soir. Voilà, et toi? Ah pareil, c'est juste de voir le nom, comme ça c'est... C'est assez hallucinant, on va se prendre en photo devant. Cinq minutes, Dorothée. Immersion dans les coulisses d'un comeback très attendu. Dans quelques minutes, Dorothée va retrouver son public. Une grande émotion pour l'artiste qui n'est pas remonté sur scène depuis 1996. C'est la meilleure. Oh, j'ai le cœur qui va exploser. Retour au début 2010, Dorothée entame un marathon promotion pour annoncer son grand retour sur scène. Toi, tu reviens après 14 ans d'absence. 14 ans d'absence ? Qu'est-ce qui justifie ce retour ? Pourquoi revenir aujourd'hui sur le devant de la scène ? Radio, télévision, presse, internet, Dorothée est sur tous les fronts. Oui, je suis perdue. Ce retour est aussi l'occasion pour Dorothée de grandes retrouvailles avec les médias. En effet, pendant ses 14 ans d'absence, Dorothée n'a accordé que très peu d'interviews et n'a fait que quelques rares apparitions à la télévision. Elle est donc très attendue. Comme un coup de tonnerre. Alors c'est votre comeback. Est-ce que vous pouvez recommencer une carrière aujourd'hui? Moi je la recommence pas, je la continue. Alors on vous a posé beaucoup de questions sur ce que vous aviez fait pendant ces 15 ans. Comment est-ce que vous jugez ces années finalement assez solitaires? Solitaire pas plus qu'avant, mais c'était pour moi des vacances nécessaires. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? J'ai fait tout ce que je pouvais pas faire avant. Alors est-ce que vous avez posé votre valise, Dorothée? Je l'ai posée quelque temps, je la reprends et puis je la reposerai encore un peu après. Étape par étape. Première étape de ce retour, début 2010, l'enregistrement d'un nouvel album. Merci Gérard. Pour l'occasion, Dorothée retrouve l'équipe qui a fait son succès pendant près de 20 ans, son producteur Jean-Luc Azoulay et le compositeur de la quasi-totalité de ses chansons, Gérard Salès. M'avait bien dit. Pardon? Méfie-toi des garçons. Bâtard. Ils vont te trouver jolie. Pourquoi pas? De chanter des chansons. Ça, c'est bien. Ils vont te. Quoi? Faire tourner la tête. Ouais. Mettre ton cœur en fait. Ouais. Un pied, deuxième. Pardon? Méfie-toi des garçons. Vous avez enregistré cet album, est-ce que vous vous êtes dit que vous faisiez un pas presque irréversible à nouveau vers la scène, vers le spectacle? Ah oui, là j'avais signé. J'avais signé le retour. Comment vous vous êtes laissé convaincre? Est-ce que c'est Jean-Luc Azoulay qui vous a démontré que vous pouviez reparaître à l'antenne? Ou est-ce que vous aviez toujours voulu le faire finalement? Non, il ne m'a pas démontré, il m'a obligé. Il m'a forcé, il m'a menacé. Mais quelque part, au fond de moi, ça m'a pas trop perturbé parce que j'avais certainement très envie de le faire. Mais j'ai surtout aussi la pression des fans. Okay.
beaucoup de messages, beaucoup de courriers et vraiment, ça a été un ensemble de pression. Vous attachez à apparaître toujours comme quelqu'un qui obéit au fond à la volonté des autres. Et c'est pas vrai, vous êtes en réalité quelqu'un. Il y a beaucoup de bons petits soldats quand même. Oui, il y a parce du que, bon petit soldat, oui. Mais il y a aussi un goût du travail. Et puis vous savez ce qui vous va comme chanson, ce qui vous oui, va pas. Oui, mais de toute façon, quand Jean-Luc et Gérard Salès m'écrivent les chansons, de toute façon, je sais que c'est pour moi. En tout cas, j'apprends et je les travaille. Souviens-toi en ce temps-là. Elle avait disparu. Je me suis sentie vaincue. Comment j'allais faire au bout de la terre si je me trouvais prise sans ma valise? Et mes chaussettes rouges et jaunes à tes pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à tes pois. Le désespoir m'a saisi. Non, le deuxième, il faut descendre. Le pois, oui, c'est ça. En haut, fais tout. Vaincue. Comment j'allais faire au bout de la terre si je me trouvais prise sans ma valise? Et mes chaussettes rouges et jaunes à tes pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à tes pois. Le désespoir m'a saisi. Eh ouais, c'est plus logique. Vas-y, on va voir, c'est pas grave. Et mes chaussettes rouges et jaunes à tes pois. Et mes chaussettes rouges et jaunes à tes pois. C'est fini, les filles. Ah bon? Bah ouais. Mémorable. Samedi 6 février 2010, salon Paris Manga. Dorothée est l'une des premières à faire découvrir en France les dessins animés japonais. Et c'est tout naturellement qu'elle est l'une des invitées d'honneur de l'événement. Le premier bain de foule pour Dorothée depuis l'annonce de son grand retour médiatique. Avant c'était... Oui, ouais. Regardez la file d'attente pour Dorothée qui doit faire une petite dédicace. Stéphanie, ça c'est moi. On est super contents de ton retour. C'est gentil. J'étais très très heureux d'apprendre que enfin vous alliez revenir sur scène. Je suis vraiment impatient de venir vous voir en concert. Je voulais juste vous remercier aussi de remonter sur scène, c'est vraiment génial. Le tout premier concert de ma vie que j'ai fait, c'était à Bercy, c'était avec vous. T'étais tout petit, oh. Oui, j'avais 5 ans. Je veux te dire que j'étais super ravie que tu fasses Olympia. C'est gentil. On attendait ça depuis longtemps. Et puis vraiment tout plein de bonnes choses pour tout ce qui va se passer. On est super contents, on croise les doigts avec toi et on est vraiment super super heureux. C'est gentil. Merci beaucoup. Oh, il y a des gens extraordinaires. Oh, Dorothée. Je suis en train de faire des bêtises. Pour rattraper les bêtises, je fais des bêtises. Oh bah c'est un métier, hein, le maquillage. Lundi 22 février 2010, Dorothée est l'invitée de Patrick Sébastien pour son émission de France 2, Les Années Bonheur. Pour la première fois depuis 1997, Dorothée va chanter en direct avec un orchestre sur un plateau de télévision. C'est que c'est la première fois que Dorothée rechante en direct. Mais attends, ce que je disais à Do, c'est que là, c'est quand même le plateau idéal. Parce que ici, c'est que des ondes positives, c'est que le bon fluide. Voilà. Ça n'empêche que j'ai quand même la trouille. Mais toi, comment t'appelles? Ça va, mon Patrick? Tu connais Karen Chéri? Non, je connais Isabelle Morizet. Connais-je? Je pars, peut-être, elle veut pas. Elle est belle. Elle veut pas, elle veut pas. Elle est belle. Elle veut pas, elle veut pas. Attends, je monte déjà? Oh, vas-y. Je t'expliquerai après, je te laisse d'abord avec l'enquête, je t'expliquerai après la sortie. Ouais, 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 ouais.
lumière, tout ça. Par contre, pour la lumière qui va déjà passer, tu sais quelle couleur tu seras habillée demain? Grosso modo, je crois que je serai dans le rose, un petit peu comme Patrick. D'accord. Je crois. T'as tout ton temps. Oui. C'est des mecs de scène, c'est mes potes. C'est des mecs de province. Si mon mec, je t'appelle, tu leur casses la gueule. Ouais, t'inquiète pas. Tu peux, tu peux chanter avec eux? Non, 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 non. Il chante avec eux, Dorothée. Il y a trop les combien une fois? Si tu veux que je te mette l'ordre de chanson dans le prompteur, si tu veux, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Très joli contre-jour. Et là, comment c'est parfait, merci. Merci. En tout cas, ça fait un plaisir, vraiment, dans le cœur. Et avant d'entrer chez Patrick Sébastien, moi, je vois dans votre regard une intense inquiétude. C'est pas du trac, c'est de l'inquiétude. Je voulais savoir à quoi vous pensiez. Vous avez raison, Michel. L'inquiétude, c'est un très bon terme. Il y avait le trac, c'est sûr. Mais l'inquiétude, d'abord, c'était ma première télévision. Je chantais en direct. Et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Et est-ce que le public va être toujours présent? Je ne savais pas, je ne les avais pas revus depuis. Et c'est vrai que j'étais vraiment pas bien dans ma peau, là, à ce moment-là. Pour le planning d'ordre. Oui. Le 8 mars, lundi 8 mars. Oui, mon randonnier, tu me l'as envoyé. Oui, mais là, c'est autre chose. Moi, je voudrais que tu passes en télématin avant cet au programme. Est-ce que tu veux l'enregistrer soit le lundi 8 chez JLA avant de faire mon randonnier, soit le mercredi, parce que lui, le mercredi, ça l'arrangeait. Et mercredi, on fait Drucker. Mais on peut. Alors, est-ce que toi, c'est trop fatigant? Donc, on dit lundi 8, d'accord? Ouais, juste avant, ouais. Je te dirai. Lundi 8 mars 2010, journée chargée pour Dorothée. Une interview pour l'émission de France 2 Télématin, puis une séance photo pour l'agence française de presse. Direction ensuite plutôt pour le direct de l'émission de Jean-Marc Morandini sur Direct 8, dont Dorothée est l'invité d'honneur. Bonjour monsieur. Ça va bien? Bien et vous? Ouais, très bien. Merci d'être là, ça me fait super plaisir. Moi aussi. Bon, tant mieux. Pour l'instant, on va voir. Hein. Ah non, non. Il n'y a pas de souci. Hein. Très bien, on a fait plein d'archives, plein d'images, voilà. Quoi? Donc ça va être très bien. Ouais, je suis prête. On m'a demandé quelles deux, trois signatures. Avec je ne le fais jamais, mais la première, c'est Delphine. Oups, ça accroche. Ah bon. Et Laurent? Ouais. Tu souris, le chien. Oui, oui, il a pu sourire. Allez, tout de suite, on va débuter notre page spéciale, puisque je vous propose d'accueillir celle qui va nous accompagner en direct jusqu'à 19h40. Voici Dorothée. Bonsoir, Dorothée.
peux vous dire qu'en 4 ans d'émission, c'est la première fois qu'il se lève. Donc, on est... Vous êtes parti en plus en disant « on reviendra », c'était votre dernier mot dans l'émission. Mmh. Et vous aviez l'espoir de venir ou pas du tout, de partir en disant « voilà, c'est terminé ». On sait jamais. Oui, non, je me dis peut-être qu'un jour, peut-être que pas, je sais pas. C'était, j'avais pas d'idée vraiment bien précise dans la tête. Mais quand vous voyez tout ça, est-ce que ça vous donne envie de retourner dans ce tourbillon et de recommencer pour les générations qui arrivent, ou c'est une façon pour vous de fermer la page définitivement? Vous n'allez pas dire que vous allez faire ça et vous casser encore une fois, hein, j'espère. Hein. Non, on ferme jamais les portes, mais on peut pas refaire la même chose de toute façon. Différemment. Donc, peut-être pas. On peut renouer, on parle de vous sur pas mal de chaînes de télé, dans pas mal de projets, donc ça veut dire que peut-être la machine va se réenclencher. Peut-être. C'est un souhait pour vous? Pourquoi pas? J'ai jamais d'idée bien préconçue, donc ça va venir, oui, ça vient pas, tant pis. Pourquoi vous avez eu envie qu'elle remonte sur scène? Parce qu'on a tous envie que Dorothée remonte sur scène depuis des années. Simplement, Dorothée, c'était pas le moment, elle avait pas envie, elle voulait pas. Puis à force de lui dire, tu veux pas, un soir on est au restaurant avec Jackie et Ariane, et en rigolant, j'ai fait une chanson comme ça sur la table, j'ai dit tu vas la chanter. Et ça l'a fait rire, j'ai vu que ça l'amusait. Donc là je me suis dit c'est peut-être gagné. Et en insistant un peu, elle a fini par dire oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mon petit chat. Merci. Bon, bah, moi alors. Moi madame alors. Moi je l'ai. Bisous à ta maman. Oui. M'embrasse. Ah, pour moi, Dorothée, c'est toute ma jeunesse, c'est mon enfance, c'est les émissions que j'ai découvertes à la télévision, puisque moi, quand j'étais petit, c'est ce que je regardais, donc je regardais Récré à deux à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment des souvenirs d'enfance, et puis c'est mes premiers souvenirs de télévision également. Oui, je suis assez fan, parce que aussi, je trouve que c'est dommage qu'elle ait disparu comme ça pendant 14 ans. Je trouve qu'il y a une vraie injustice dans ça, parce que le public l'a réclamé. Moi, je le vois sur mon blog régulièrement, les gens réclament son retour. Il y a une vraie demande, et c'est vrai que j'ai trouvé assez injuste que pendant 14 ans, elle n'ait pas le droit de venir faire de la télévision. Donc c'est pour ça que j'encourage ce retour et je suis très content de pouvoir y participer un peu à mon échelle. Mercredi 10 mars 2010, Studio Gabriel. Dorothée est l'invitée d'honneur d'un Vivement Dimanche spécial que lui consacre Michel Drucker. Ah ouais, ouais. Alors, pas de soucis pour les photos pendant les répètes. Non, c'est pas. Je trouve pas. Et on prépare un micro-main. Micro-main. Micro-main, après, il n'y aura pas de soucis. Après, je rappelle parce qu'il y a pas de choses. Est-ce que tu peux ouvrir le mois parce que Dorothée voudrait parler au public? Peut-être. Ah, je pense. Oui, c'est si. Comme. Il est ouvert, hein, normalement. Bonjour. Alors là, c'est quand tu veux. Mais non, tu me l'as dit. C'est quand tu veux. Êtes-vous prêts? Je n'entends rien. Ce soir.
Alors pour moi, les musiciens sont en place. Oui, on va refaire un point. Oui, c'est plus logique de les avoir en place. Vous êtes derrière avec Michel. Toi, t'es à côté ou pas? Moi, je serai derrière. Et tu fais signe de rentrer. Exactement. Ouais, c'est soit moi, soit Ted. Bah, quelqu'un, quoi. On sera vraiment là. Et puis même, Michel sera avec vous de toute façon, quoi qu'il arrive. Ah oui, parce qu'on rentre tous les deux. Qu'est-ce que je. Allez, ben. C'est pas grave. Tu veux bien? Françoise, ok. Ça fait plaisir. T'es maquillée. Tes auteurs, l'ami. Les amis de toujours, Salès et ça, ils ont. Et, ça, c'est le maître Vanille. Ils n'ont pas perdu la main, hein? Non. Il a perdu? Oui. Moi, je suis méchant. Elle a mis. Oui, on l'a pas. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Vos fans étaient super contents. Ah, ça, c'est un public magnifique. Ouais. Ça vous va? C'est gentil, merci beaucoup. Voulez-vous dire que vous avez toujours un âme étincelle dans le regard? Ah, ça, c'est ouais, ça a pas changé. T'es la meilleure, Dorothée. Voilà. Merci. Et on a hâte d'être au mois d'avril. Allô, allô. Merci pour toutes ces années. Ne tremble pas. Madame. Ne t'écrasez pas, madame. C'est bien. Oui. Non, oui, bah moi je veux bien. Tu peux pas démarrer de toute façon. Hein. Oui. Sur l'émission de Michel Drucker, on vous voit avant et puis tout de suite après. Lorsque vous arrivez à l'antenne, moi je vois une très nette différence entre vous avant et vous au moment où vous entrez sur le plateau. Alors, est-ce qu'il y a deux Dorothées? Une Dorothée timide et puis une Dorothée formidablement extravertie qui va au-devant de son public, une vraie pro, quoi. C'est ça. Ça doit être ça. Moi, je ne me rends pas tellement compte parce que je suis toujours inquiète, toujours sur le qui-vive. Et une fois qu'il y a les lumières, les caméras, le public, bon, bah, il faut y aller. Et là, j'ai une autre vie, c'est vrai, oui, il y a peut-être un. Il y a une autre allô, vie. Allô, docteur. Et alors, on vous voit aussi plonger dans la foule avec franchement. Vous allez au-devant de la foule, ça vous fait pas peur? Alors que j'ai peur de la foule. Alors qu'est-ce qui se passe là? Parce que ce sont des amis. Donc je vous sentez peur. À l'aise, vous n'avez pas peur de plonger? J'aime pas, non. Alors si je vais à un concert pour un spectacle, je suis spectatrice simplement, là j'ai peur de la foule.